La 14e Ligue nationale de football, la phase finale dans les sites de Kinshasa, a ouvert sa porte avec le derby tant entendu par le sportif quinois Darin Club Motema Pembe, ASV Club, une rencontre qui a créé des tensions dans les camps de supporters. Ce club, c'est un grand club connu. Après leur première défaite, 1-2, au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, le Véclubien se sont préparés conséquemment. Question d'honorer les Moscovites. Mais côté Darin Club Motema Pembe, Gladys Bokessé et Joël Kimouaki n'ont pas arrêté de motiver leurs amis. Un match dans le match, la présence de Santos Mutubile côté Darin Club Motema Pembe est seule de deux autres grands. Côté Véclub, venu d'épauler Chrysologli, Joseph Moukeba Moulamba et Lokose Epangala. Sur l'aire de jeu, après le coup d'envoi donné par l'arbitre central Didier Vimboudoulou, chacune des deux équipes a fait son jeu jusqu'à la fin de la première période sans inscrire aucun but. À la pause, les deux équipes restent optimistes. À la reprise, on reprend avec le même classement, tant du côté des Immaculés que des Banavea. Mais pendant que le premier changement se prépare côté V-Club et Darin Club Motema Pembe, Rogombe Romaric à la 62e minute, de gauche vers la droite, efface des défenseurs du Darin Club Motema Pembe avant d'adresser un caviar à Patrick Etimi qui ouvre le score. Moscou est en ébullition. La joie était courte dans les gradins de Moscovite, car trois minutes après l'ouverture du score, de V-Club, Darin Club Motema Pembe obtient un coup franc qui sera exécuté par le milieu du terrain Landou Makela et trouve la tête des trésors Salakiakou pour l'égalisation. Un but qui fait bouger les Tupamaros dans les gradins. Un but partout, c'est le résultat qui a sanctionné ce derby quinois.